Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue concernant deux crèmes de la marque By Nature qui est en fait une marque de Nouvelle-Zélande. Alors les deux produits que j'aimerais vous présenter sont une crème hydratante, donc c'est celle-ci, donc une crème hydratante qui a un SPF de 15 à l'intérieur et une crème pour le contour des yeux, donc une crème pour les yeux. J'aime beaucoup en fait les marques naturelles. J'ai un petit problème avec ce que je mets sur ma peau. J'ai la peau très sèche et sensible, je pense, puisque lorsque j'utilise certains produits, j'ai en fait la peau qui picote et qui gratte. Je n'ai pas de rougeur, mais j'ai juste des démangeaisons. Donc certains produits ne me conviennent pas, donc je vais plutôt vers les produits naturels. Le premier produit qui est donc la crème pour les yeux, donc la boîte se présente comme ceci avec toutes les explications et les ingrédients évidemment. Ici on vous indique tout ce qui n'est pas dans le produit. Donc, vous l'ouvrez tout simplement comme ça, comme une crème normale en fait. Et voilà en fait comment le produit se présente. Vous avez un autre petit carton comme ça. Et vous allez tout simplement venir pousser en fait le produit à l'extérieur comme ceci. Là, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, vous avez donc votre petite crème toute mignonne comme ceci et vous ouvrez tout simplement, on la dévisse, voilà, vous voyez, comme ça, voilà. Donc comme je vous le disais, la texture est vraiment liquide, mais voilà. Le premier est une crème pour les yeux, vraiment bien. Je n'aime pas beaucoup l'odeur, la texture est très liquide. Je m'attendais quand même à une texture un peu plus épaisse pour ça. Mais à part ça, je l'aime beaucoup. Je n'aime pas spécialement, mais je trouve que c'est un bon produit et je continue à l'utiliser. Ça hydrate bien le contour des yeux dans le sens où... j'ai en fait sous les yeux beaucoup de sel et parfois et souvent des petits ridules en fait lorsque ma peau est vue, parce que j'ai la peau vraiment sèche. Donc j'ai commencé à utiliser ça et j'ai vu pas une énorme différence, mais une différence quand même. Donc je vois vraiment que le dessous de mes yeux est beaucoup plus hydraté, donc est beaucoup plus bombé on va dire, et moins creux. Le deuxième produit qui est la crème hydratante de jour avec son SPF de 15, donc vous l'ouvrez tout simplement comme celle-ci, comme ça, et ensuite vous allez venir retirer. Et encore une fois, le produit se trouve à l'intérieur. Simplement, il a retiré comme ceci. Donc, voilà à quoi ressemble la crème. Et c'est juste trop joli. Vous allez encore une fois venir l'ouvrir comme ceci. Par contre, voilà comment vous l'utilisez. Donc, je vais vous montrer. Et vous appuyez, voilà. Donc, voilà. Et voilà, la crème est un peu plus épaisse comme je vous l'ai dit, mais elle s'absorbe. Pour la deuxième crème, bon, donc c'est une crème de jour avec un SPF, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Cela faisait un moment que je cherchais une crème hydratante avec un SPF, donc j'ai été contente de trouver celle-ci. J'aime beaucoup cette crème. J'aime le packaging, j'aime l'utilisation de celle-ci. J'aime beaucoup
la texture de la crème qui est un peu plus épaisse. Et donc, bien qu'elle soit, puis, en fait, c'est comme une crème solaire, vous savez, elles sont un peu plus épaisses et souvent restent huileuses sur la peau. Celle-ci, la texture est un peu plus épaisse, mais j'ai été surprise de voir qu'elle s'était vite absorbée par la peau, que finalement, elle laissait une peau sèche. La peau n'est pas huileuse, elle est juste sèche comme il faut, mais elle a juste l'air en tellement meilleure santé. Donc, j'aime beaucoup cette crème. Donc, le prix de chacune est le même. Le prix est de 9,99 $, donc dollars néo-zélandais ici. Donc, c'est une crème. Ce sont en fait deux bonnes crèmes. Je pense accessibles pour 9,99 $. Et d'autant plus que c'est une marque qui se dit naturelle. Beaucoup plus naturel que les autres en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Je vous dis à la prochaine.